Een van de meest welgevoelde bezoeksters aan het NS-150-festijn was ongetwijfeld de fraaie gestroomlijnde Atlantic 1204. Gebouwd in 1939 en goed voor een maximumsnelheid van 165 km per uur. Met het toelaten van de gestroomlijnde 1204 kneep de NS een oogje dicht. Want de asdruk van 23 ton ligt een halve ton.
Dan gaan we voor de tijd. Ja, nou. Ja, hè. Want deze van die van die. Nee. Pas op, hè. Als ik erop. Ja, laat ik erop, Matthias. Matthias, ga je daar aan de kant toch al komen? Nee. Matthias staat daar aan de kant, hè. Hier, man. Ja, je ziet er ook alles hier, zo. Ah, terug, maar ik heb er echt niet voor wat. Matthias, ga ik er hier bij papa staan? Ja. Matthias, kijk. Is dat, hè? Nog eens toen voor het leven. Wel echt, hè. Nee, het is een keer leeg weer. Dat is niet alleen weer een keer.
Tire-toi de là, boyard, hein, oh. Thank you.
van voor misschien. J'aime plus vous, frère.
Drie en acht is hier. Thank you.
Depuis 1957, les premières relations Trans-Europe Express étaient assurées par des rames automotrices diesel, car la diversité des courants existants sur les différents réseaux européens était un obstacle à l'utilisation de la traction électrique. Les chemins de fer fédéraux suisses furent les premiers à faire circuler en 1961 des rames automotrices électriques quadricourants sur les relations Paris-Milan et Zurich-Milan. En 1964, c'est sur la ligne Paris-Bruxelles-Amsterdam qu'ont été mises en service les premières rames TEE remorquées par des locomotives polycourants. Longues de 22 mètres et développant 5000 chevaux, les CC40100 peuvent être alimentés indifféremment par les quatre systèmes de courant utilisés en Europe, ceci par l'intermédiaire de quatre pantographes spécialisés. Elles sont à adhérence totale et constituées par une caisse unique reposant sur deux bogies à trois essieux moteurs chacun, chaque bogie ne comportant qu'un seul moteur de traction. Les CC40100 sont affectés en particulier à la remorque des nouvelles rames TEE dont toutes les voitures présentent des caractéristiques communes. Caisse en acier inoxydable, porte d'accès coulissante à ouverture assistée, climatisation, chauffage électrique, éclairage général fluorescent, isolation thermique et acoustique, vastes soutes à bagages. Les aménagements intérieurs sont très diversifiés pour répondre aux goûts variés des voyageurs. Dans les voitures à couloir latéral, où les portes de compartiment et les cloisons sont en glace de sécurité, la disposition des sièges est du type classique, mais le confort est plus poussé. Éclairage individuel incandescent, siège à dossier inclinable. Les voitures fourgons sont essentiellement destinées au service et comportent notamment le local abritant le groupe diesel qui fournit le courant électrique nécessaire au conditionnement d'air, à l'éclairage, au chauffage et aux cuisines. Au moment du départ, les portières des voitures sont fermées automatiquement et restent bloquées pendant la marche tant que la vitesse reste supérieure à 5 km à l'heure. Remarquables par leurs caractéristiques techniques, ces locomotives ne le sont pas moins au point de vue de l'esthétique. Leurs matériaux, leurs couleurs, leurs lignes ont été choisis en harmonie avec l'aspect extérieur des voitures et contribuent à donner à l'ensemble son caractère et son unité. Les voyageurs qui empruntent ce nouveau train ont à leur disposition toute une gamme de perfectionnements qui concourent à un plus grand confort. Vaste baie vitrée comportant deux glaces de sécurité entre lesquelles peut monter ou descendre un store vénitien à commande électrique. Porte d'intercirculation à ouverture assistée et à fermeture automatique. Voiture bar avec comptoir, office et table pour le service des consommations. Installation de sonorisation de l'ensemble de la rame. Voiture cuisine dont l'équipement fonctionnel ferait le bonheur de la ménagère la plus exigeante. Possibilité pour les voyageurs des voitures à couloir central de déjeuner sans quitter leur place. Pendant ce temps, à bord de la 40100, le conducteur surveille la vitesse qui peut atteindre, grâce à un double rapport d'engrenage manœuvrable à l'arrêt, soit 160, soit 240 km à l'heure. Confort, vitesse, ce nouveau matériel classe les rapides TEE de la ligne Paris-Bruxelles-Amsterdam parmi les meilleurs trains du monde, puisqu'il relie Paris à Bruxelles en 2h30 à 124 km/h de moyenne.
passer une immersion.
Thank you.
is a thrilling tribute to the 25 Union Pacific Big Boy locomotives. Each of the big boys, starting from number 4,000 through 4,024, is shown in numerical order. You'll see them thundering across the Wyoming plain. Squeezing onto the huge turntable at Cheyenne. Ever built, pulled longer or heavier trains over the transcontinental mainline. The work of many noted railroad photographers is featured, such as this snowy scene from the camera of Stan Kistler. You can't get much closer to a big boy in action than this. It's not available for a heavy train. The only other option was to double-head a pair of conventional, non-articulated steam locomotives. Here is your more typical N&W coal drag, with an articulated on the point, 100 or more hopper cars loaded to their top with West Virginia coal. With another articulated steam giant shoving at the rear of the train. Again, on the rear drawbar of the caboose. Followed by loaded cars to the ore docks at Lake Superior. Note the all-weather cab. Minnesota winters are cold with blowing snow. And these pacing scenes of number 1218, moving right along with her drive rods moving up and down as the engineer lays back on the cord of the distinctive deep-throated steamboat whistle. Locomotive in 1987. She went into the NS steam shop at Birmingham in the early 90s for an overhaul, and the steam program was discontinued in late 1994 before the work was completed. Steam excursions on the Norfolk Southern may be history, but one steam giant still rolls across America, number 3985, on the expanding Union Pacific. It may be a heavily overcast day, but that has not dampened the spirits of the many who have flocked to the tracks to witness the passage of this steam giant.
trumpet man from out Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his craft. But then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a blowing reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. It really brought him down because it couldn't jam. The captain seemed to understand. Because the next day the cap went out and drafted a band. And now the company jumps when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. A toot, a toot, a toot, a toot, a toot, he blows it into the bar. Mm-hmm.
Thank you.